Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bienvenue à ce programme du mercredi soir. Je suis le pasteur Yvon Mouquetou, très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis avec mon équipe technique, on est très content de partager des moments dans la Parole de Dieu, dans la présence de Dieu avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, dans nos vies et pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir vous servir. Et nous bénissons Dieu pour vos vies, vous qui nous suivez, qui nous soutenez et qui partagez ce que nous faisons pour que d'autres personnes également soient bénies. En tout cas, soyez Shalomi, comment saluer, comme on disait dans mon groupe de jeunes à l'époque, à JPC, Jeunesse pour Christ de Libreville, que je salue. Donc, je suis très content de vous retrouver. On va poursuivre notre enseignement sur neutraliser l'esprit d'erreur. Et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien, à vraiment, parce que beaucoup de personnes ne vont plus tomber dans certaines erreurs, et vont se rendre compte qu'ils sont dans l'erreur et vont pouvoir se corriger pour être au cœur de la volonté parfaite de Dieu pour leur vie et pouvoir bénir le Seigneur, être une source de bénédiction. Nous allons prier pour remettre ces moments au Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette opportunité merveilleuse de partager ta parole. Seigneur, nous aimons ta parole, elle nous fait du bien, elle nous restaure, elle nous révèle le cœur de Dieu, elle nous montre la voie et le chemin à suivre. Merci parce que tu nous donnes la sagesse et tu nous permets de discerner les esprits, discerner ce qui se passe autour de nous, afin que nous ne soyons ni séduits ni dans l'erreur. Merci pour ta grâce, merci parce que tu élèves une génération d'hommes et de femmes qui sont intègres et qui marchent dans les voies de Dieu et qui font la différence dans cette génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un bon amen. Si tu fais partie de cette génération qui va impacter, qui va amener le réveil, qui va faire la différence, dis-moi un bon amen. <laughs> Donne-moi un amen vitaminé. Comme dirait mon apôtre Alain-Patrick Tsengue, que je salue au passage. Donc, nous allons poursuivre notre enseignement sur neutraliser l'esprit de l'erreur. La série précédente, c'était neutraliser l'esprit de séduction. Nous avions dit que l'esprit de séduction travaille avec l'esprit d'erreur parce que l'esprit de séduction prépare le terrain pour l'esprit de l'erreur. Et lorsque la séduction est consommée, vous pouvez facilement entrer dans l'erreur. Et l'esprit d'erreur agit pour vous empêcher de voir que vous avez été séduit et que vous êtes dans l'erreur et que vous allez tout droit au mur il agit pour vous aveugler il agit pour vous empêcher d'obtenir le résultat voulu par dieu et donc l'esprit d'erreur est basé sur deux grands domaines qu'on a vus la semaine dernière jésus a dit vous ne comprenez vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de dieu donc la mauvaise compréhension des écritures va forcément vous amener dans l'erreur. la mauvaise compréhension de la puissance de dieu va forcément vous amener dans l'erreur. Euh, une mauvaise compréhension des deux c'est pareil. Hein, c'est pire même encore. donc faut comprendre que la parole de dieu c'est la théorie c'est la base et la puissance de dieu c'est la force exécutoire c'est celle qui permet à la parole de devenir chair à la parole de devenir réalité c'est la puissance de dieu. Qui permet à la parole de Dieu de faire de vous ce qu'elle a dit que vous seriez et de, de détruire tout ce qui s'oppose à ce que vous deveniez ce que Dieu a prévu pour vous. Je prie dans le nom de Jésus que tu atteignes les résultats voulus par Dieu dans ta vie et que tu sois ce que Dieu veut que tu sois, que tu sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Amen, Amen. Que tu ne sois pas dans l'erreur. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre donc notre étude. Donc, neutraliser l'esprit de l'erreur. Et nous allons parler des connexions et déconnexions qui constituent des erreurs et qui sont souvent courantes dans le corps de Christ. Et je crois que c'est vraiment une interpellation pour que chacun d'entre nous ne puisse pas commettre ses erreurs. Et vous savez, la parole de Dieu nous montre des personnes qui ont commis des erreurs graves, des erreurs qui leur ont coûté la royauté, des erreurs qui leur ont coûté leur famille, qui leur ont coûté la vie. Bien aimé, c'est pour que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Vous savez, l'apôtre Alain Patrick a l'habitude de dire que ceux qui sont intelligents apprennent de leurs erreurs. Mais ceux qui sont plus intelligents apprennent des erreurs des autres. Je pense que c'est important d'apprendre non seulement de nos erreurs, mais également des erreurs des autres, afin de ne pas les reproduire, afin de ne pas tomber dans le même jugement, parce qu'une erreur entraîne un jugement, entraîne une sanction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusque-là Si tu n'as pas encore partagé, je t'en prie, fais-le. Partage à au moins dix personnes, dix groupes autour de toi, afin que des gens soient bénis, que les gens sortent de l'erreur. Alors, on va regarder la vie de Lot. On va étudier un petit peu la vie de Lot et nous allons voir comment l'esprit de l'erreur l'a euh, égaré du chemin de sa destinée. Et comment est-ce que sa destinée a été compliquée à cause d'un certain nombre d'erreurs qu'il avait commises On va commencer dans Genèse chapitre 13, le verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Je prie qu'on puisse dire de toi cette année que tu étais très riche. Et puis on cite les choses derrière. Hein. <laughs> Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'hôte qui voyageait avec Abraham, avaient aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tzoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors, euh, très souvent quand on parle de cette histoire, on fait une allusion. À Abraham, qui est notre, le père de la foi, notre père à tous, Et on dit souvent, je l'ai entendu quand j'étais plus jeune, que Abraham a commis l'erreur de prendre Lot avec lui, parce que Dieu lui avait dit de sortir de sa patrie, de la maison de son père. Mais bien aimé, la Bible ne nous dit pas de façon explicite que c'était une erreur de la part d'Abraham de prendre Lot avec lui. Abraham portait la voix de Dieu. Abraham avait rencontré Dieu. Abraham avait entendu Dieu, il savait où il allait. Et contrairement aux gens de sa famille qui n'avaient pas eu de rencontre avec Dieu qui étaient des idolâtres, ils auraient dû se dire voilà quelqu'un qui commence un mouvement inspiré par Dieu, suivons-le. Ne restons pas là. Pourquoi Dieu lui dit de partir Ne restons pas là, suivons-le. Lot a eu la présence d'esprit de dire à tonton Abraham, je veux te suivre parce que Abraham était son oncle, le frère de son père. Et donc, Lot va suivre Abraham, qui est un prophète de Dieu, qui est un homme de Dieu, qui a rencontré Dieu et qui entend la voix de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu et qui va dans la direction que Dieu lui donne. Abraham était très riche et Lot avait des biens. On dit Abraham était très riche, mais Lot avait des biens. Donc Abraham était plus riche que Lot. Et voilà que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham vont avoir un conflit. La première erreur que Lot va faire, c'est de ne pas régler le conflit qu'il y avait entre ses bergers et les bergers d'Abraham. La Bible ne nous précise pas si le problème venait des bergers de Lot ou si le problème venait des bergers d'Abraham. On va supposer que ça venait des bergers d'Abraham parce qu'ils étaient les plus nombreux et qu'ils ont voulu certainement abuser un peu. Euh, des, des bergers de Lot qui se sont plaints et qui n'ont pas voulu se laisser faire, et ça a créé un conflit, ça a créé des bagarres, etc. Et voilà que, au lieu de régler ce problème, Lot ne va rien dire. Première erreur l'esprit d'erreur commence à agir dans la vie de Lot. Il y a un conflit, au lieu de régler le conflit, chercher des solutions, il n'intervient pas. Et le conflit prend des proportions. Il prend des proportions à un point où Abraham décide d'intervenir. Et Abraham intervient en disant Écoute, il n'est pas bien, OK, euh, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, car nous sommes frères. Abraham se met au même niveau que l'autre. Abraham n'était pas son frère, hein? Abraham était son oncle. Mais il se met à son niveau, il dit Non, il ne faut pas qu'il ait des problèmes, nous sommes des frères. On va donc se séparer. Abraham lui propose de se séparer. Et lui, il accepte de se séparer de quelqu'un qui marche avec Dieu, qui a une relation intime avec Dieu et qui, qui va vers la destinée que Dieu euh, a, a prévue pour lui, sachant qu'il va être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est quelqu'un dont il ne faut pas se séparer. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes de destinée. Dieu vous mettra à leur côté ou vous serez aux côtés de ces personnes-là. Il ne faut pas vous séparer d'eux. Vous comprenez ça Regardez. Abraham va lui dire de se séparer. Il va dire, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, je vais au sud. Vous comprenez ça Si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Donc, on, on va vraiment aller de façon diamétralement opposée. Et l'esprit d'erreur, qui avait déjà saisi le cœur de Lot, l'a empêché d'avoir la lucidité de dire à Abraham, euh, tonton Abraham, papa Abraham, je sais que... Tu es un prophète de Dieu. Je sais que tu vois plus loin que ce que les yeux naturels peuvent voir. Je sais que tu entends la voix de Dieu. Est-ce que tu peux donc me dire quelle est la meilleure direction Si on admet que nous ne pouvons plus rester ensemble, parce que peut-être tu as été offensé et tu préfères qu'on se sépare. Mais donne-moi ton conseil. Il n'a pas pris le conseil d'Abraham pour savoir dans quelle direction aller. Il, il s'en est tenu à ses yeux. Il a vu. La plaine. Vous comprenez ça Il a regardé et la Bible dit, l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il y a des choses que tu vas voir de tes yeux et tu vas considérer que c'est bon pour toi, mais tu es en train de faire une erreur parce que tu n'as ni consulté Dieu. Tu n'as pas réglé le problème à l'origine, à la base, parce que tu n'étais pas censé avoir à faire ce choix. Maintenant que tu as à faire ce choix, tu ne consultes pas Dieu. Eh bien, tu t'enfonces dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez ça Dieu a mis un prophète aux côtés de Lot, et Lot se prive du conseil prophétique, de la voix prophétique, et il va se baser sur ses sens, il va se baser sur son intelligence, et il va vouloir faire un choix humain, un choix rationnel, un choix intellectuel, mais qui va l'emmener dans des problèmes graves par rapport à sa vie et sa destinée. Bien aimé, l'esprit d'erreur, c'est de garantir le mauvais résultat, le, garantir que le résultat ne soit faux, garantir que le résultat ne soit pas celui attendu. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des biens, vous avez un avenir, vos enfants ont un avenir, et vous voulez sécuriser toutes ces choses. Mais l'esprit d'erreur, en, en, en vous en vous induisant en erreur vient perturber tout le système. Il vient déranger votre avenir, l'avenir de vos enfants, il vient déranger votre richesse, votre, votre tranquillité, votre prospérité, enfin, vous allez voir ce qui s'est passé dans la vie de l'autre. Donc, il va faire ce choix, ok, et il va donc se séparer malheureusement du prophète de Dieu de l'homme de Dieu de sa destinée. Abraham était l'homme de Dieu de sa destinée. Il ne fallait pas qu'il se sépare d'Abraham. Et si la séparation était consommée, il aurait dû demander à Abraham conseil pour savoir dans quelle direction aller. Parce qu'il va choisir un endroit verdoyant, arrosé, comme l'Égypte. Mais ce n'était pas comme, ce n'était pas un jardin de l'éternel. Il dit, c'est comme. C'était comme un jardin. Euh, regardez, voilà. Euh, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était comme un jardin de l'Éternel. Ce n'était pas le jardin de l'Éternel pour sa vie. Ce n'était pas sa terre de destinée. C'était pas l'endroit que Dieu avait préparé pour lui, bien aimé. L'esprit de l'erreur va souvent te délocaliser de ta terre de destinée. Combien de personnes ne sont-ils pas allés dans des endroits où Dieu ne voulait pas qu'ils aillent et ont commencé à galérer, ont commencé à avoir des problèmes et du coup ils enchaînent les jeûnes, les prières et ils vont vous développer un certain nombre de théories et d'enseignements pour se justifier dans cette situation. Et pourtant cela est parti d'une erreur. C'est juste partie d'une erreur. Non, tout le tralala qu'on rajoute ne sert à rien. Corrigeons l'erreur et puis c'est bon. Est-ce est -ce que quelqu'un m'entend Bien-aimé, si tu n'as pas encore partagé ce live, je t'en prie, partage-le. Tu vas aider quelqu'un à éviter des erreurs graves et compliquées. Donc, euh, l'esprit d'erreur va te montrer quelque chose qui est comme un jardin de l'Éternel. Comme la terre promise, comme un environnement sain, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce que dans cet endroit, il dit, c'est juste avant que l'éternel ne eût détruit Sodome et Gomorrhe, Il y avait dans cet endroit des pécheurs. Il y avait des gens qui vivaient dans l'iniquité, dans le péché. Ils vivaient dans la débauche, dans la perversion sexuelle. Ils vivaient dans, euh, dans, dans l'homosexualité, le tout ces tout ce qui est perversion sexuelle, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils vivaient dans ces choses. Et ces choses sont en abomination à l'éternel. Ces choses sont en abomination à l'éternel. C'est ce que la Bible nous dit. Et je prêche ce que la Bible dit. Je ne suis pas un juge. La parole de Dieu est suffisamment claire pour nous montrer ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous m'entendez Donc, Lot va choisir cet environnement et ça va lui causer pas mal de soucis parce qu'au chapitre 14, vous allez voir donc, des gens vont nous dire que dans cet endroit, c'était des gens méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Vous ne pouvez pas aller dans un endroit pareil sans une instruction de Dieu et penser que vous allez vous en tirer hein, sans dommage par rapport à votre vie et votre destinée. Et je vais vous montrer en quoi cette décision a créé des problèmes à l'autre. Donc, au chapitre 14, vous allez voir que... Il y a des rois qui vont se lever pour attaquer d'autres rois. Et le roi de Sodome et Gomorre vont se joindre à, à, à une coalition pour lutter. Sauf qu'ils vont être battus. Et cette défaite va faire en sorte que les ennemis vont les prendre en captivité. Et Lot, y compris sa femme, c'est bien. Regardez, verset 11. Genèse 14, 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi ses biens. Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Donc, regardez le résultat. Voici là où on arrive. Lot se fait enlever. Il se fait kidnapper. Beaucoup de personnes se retrouvent kidnappées dans certaines prisons, dans certains problèmes, parce qu'ils ont commis des erreurs. Et du coup, dans leur prison, ils crient à l'Éternel. Mais il aurait fallu corriger l'erreur pour ne pas en arriver là. Et voici que qu'Abraham va apprendre que Lot a été enlevé. Donc, Lot, son choix l'a entraîné dans les problèmes. Premier problème, il est enlevé. On lui enlève ses biens. On lui enlève sa femme, ses enfants. Vous comprenez ça Donc, il se trouve dans la misère la plus totale. Quelqu'un qui était à côté d'un prophète qui prospérait il se retrouve prisonnier captif. Dieu merci, Abraham n'avait pas un mauvais cœur. Abraham ne s'est pas dit parce que Abraham a appris que l'autre a été enlevé. Abraham ne s'est pas dit mais ce petit là, il m'a même pas consulté pour savoir où aller. Je lui aurais dit mon petit ne va pas là-bas, les gens là sont mauvais et il y a une sanction qui plane sur leur tête. Donc je te déconseille d'aller là-bas. Va plutôt l'autre côté. Abraham l'aurait dit, mais ça n'a pas été le cas. Abraham s'est donc dit, écoute, je vais aller délivrer mon neveu parce que là, il est dans de beaux draps. Abraham va prendre donc 318 de ses serviteurs, il va, les il va les armer et ils vont partir. Et ils vont délivrer Lot. Et ils vont lui restituer sa femme, ses enfants et ses richesses. Et Abraham va également avoir un certain nombre de richesses. Et c'est là que, d'ailleurs, on voit Abraham offrir la dîme hein, parce qu'il va rencontrer... Euh, ok, et il va lui offrir la dîme de tout son revenu, et il va être béni par Melchisedec. Et euh, Abraham est donc reparti dans ses tentes, okay? et euh, Lot est reparti euh, donc là où il vivait. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous allez au chapitre 18? Quand vous allez au chapitre 18? Et vous regardez donc le verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande, puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et... Et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'éternel. Et Abraham va commencer donc une intercession. Abraham va commencer une intercession parce qu'il a voulu sauver son neveu qui était à Sodome. Donc Abraham a le secret de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui nagent et qui opèrent dans les secrets de Dieu. Tout le monde n'a pas accès à certains secrets de Dieu. Comprenez ça? Et si vous êtes à côté de quelqu'un qui a les secrets de Dieu, restez avec cette personne, c'est dans votre intérêt. Restez avec quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, qui est dans les secrets de Dieu. C'est dans votre intérêt. Dieu n'élève pas tout le monde au même rang de dignité. Abraham va entrer dans une intercession, mais cette intercession va s'arrêter à un certain nombre, donc dix, je crois qu'il va demander à Dieu... Il va, vous connaissez, vous lirez l'histoire Genèse, euh, Genèse 18, vous lirez tout le chapitre. Maintenant, au, verset 19, au chapitre 19, Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il les appela pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, Voici mes seigneurs, entrez je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. « Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. »« Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ce mot-là, ça veut dire pour que nous couchions avec eux, les connaître sexuellement. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'hommes. Je vous les amènerai dehors. Et vous leur ferez ce qui vous plaira seulement. Ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit Retire-toi. Il dit encore Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant l'hôte avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main et firent rentrer l'hôte vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens. Qui était à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils euh, se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre Qui as-tu ici Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Car, euh, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants et grands devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Ok L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent au de l'autre en disant, « Lève-toi, prends ta femme !» « Et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. C'est à cause de l'intercession d'Abraham. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. » et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauf toi dans la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, Oh non, Seigneur, voici si je trouvais grâce, et tu as montré ta grandeur, ta miséricorde, à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que j'y puisse m'y sauver N'est-elle pas petite que mon âme vive Et lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on l'a donné à cette ville le nom de Sohar, le soleil. Se... Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur l'homme et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Est-ce que vous voyez comment Lot a perdu sa femme parce que sa femme n'a pas respecté une instruction qui avait été donnée Mais l'instruction a été donnée parce qu'ils étaient au mauvais endroit. Et ils étaient au mauvais endroit parce qu'il avait fait un mauvais choix. Qu a... Est-ce que vous voyez en fait Il a perdu sa femme à cause de sa désobéissance, à cause de l'erreur dans laquelle il s'était engouffré. Et vous comprenez que vous ne pouvez pas faire des erreurs grave et penser que cela n'aura pas de conséquences graves également sur votre vie et sur l'équilibre de votre vie l'autre a dû partir en vitesse et du coup il a perdu toute sa richesse qui était avec lui dans cet endroit à cause d'une erreur bien-aimé je prie que tu puisses identifier les bonnes personnes auprès de qui Dieu t'a connecté et que tu ne te déconnectes pas de ces bonnes personnes parce que c'est une erreur grave. Ok Je vais finir en, en vous donnant euh, ce passage euh, dans Hébreu 10, 25. La Bible dit N'abandonnez pas votre assemblée. Donc, je reviendrai euh, là-dessus dans le prochain épisode. Je, vais, je, vais, je commencerai par là. Je vais juste dire un mot parce qu'il me reste deux minutes. Euh, sachez que Dieu va vous placer dans une assemblée pour un but veut atteindre dans votre vie. Il faut comprendre que le but que Dieu va atteindre, il va pas forcément l'atteindre en un jour, en un an, en un mois. Ça peut prendre du temps parce qu'il y a un travail que Dieu veut faire dans votre cœur, dans votre vie, afin que vous soyez sur le chemin de votre destinée et que vous portiez du fruit. Et il va vous placer dans une assemblée et il va dire. Dans Hébreu 10, 25, N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous voyez, cette histoire de volatilité euh, des chrétiens qui vont d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'assemblée en assemblée, ils ne comprennent pas que c'est un esprit d'erreur. C'est un esprit d'erreur parce que quand on vous déracine d'un endroit où vous êtes censé être planté, vous êtes censé être nourri, vous allez perdre. Les nutriments dont votre esprit, votre âme et votre corps ont besoin. Hébreu 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc, il y a une assemblée que Dieu va vous donner. Il y a les hommes de Dieu que Dieu va vous donner. La Bible dit je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc lorsque Dieu te donne un berger selon son cœur, tu dois rester attaché à ce berger, tu dois rester connecté à ce berger et à l'enseignement qu'il te donne. Et tu dois suivre ses conseils et ses instructions. C'est pour ton bien, c'est pour ta protection. Dans tous les cas, il y en a un des deux qui rendra compte à Dieu pour l'autre et ce n'est pas toi, c'est le berger qui rendra les comptes. C'est pourquoi la Bible dit que les bergers seront jugés beaucoup plus sévèrement. Et nous ne devons pas le prendre à la légère. Est-ce que vous comprenez ça Donc, il y a des connexions de destinée et l'esprit d'erreur va souvent investir beaucoup pour vous séparer de ces personnes. Je prie vraiment que ce ne soit pas le cas pour vous. Je prie que vous soyez sages dans le discernement. Euh, des personnes que Dieu a données pour votre destinée et que vous ne tombiez pas dans les erreurs qui vont vous amener à vous séparer prématurément et de la mauvaise façon de ces personnes-là. Nous allons étudier euh, la suite dont nous ferons une dernière euh, émission avant de commencer notre série. Je prie vraiment que Dieu vous donne la sagesse, le discernement et l'autorité nécessaire pour parler contre l'esprit d'erreur, le neutraliser et le mettre hors d'état de nuire dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi, nous espérons que vous avez été béni. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à ce de Lyon. Ou alors nous envoyer un mail à contact à base gmail.com et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne youtube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs avant de partir laisse nous un commentaire un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi à très vite sur Asur, DIO